Patrick Roux, je signe PAT, P-A-T, et je suis photographe depuis 42 ans. Voilà. Donc je suis à la fois jeune retraité, mais qui reste photographe, je pense, jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Pourquoi cette idée d'exposition Le hasard d'une discussion, d'une rencontre, on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai des photos, si ça vous intéresse, que j'ai fait dans ma jeunesse et que j'ai jamais sorties. Donc si ça vous plaît, je vous en montrerai quelques-unes et voilà, les bancos, je leur ai montré, ils ont été emballés et à moi de monter l'expo et de faire voir ce que j'avais fait pendant ces années-là. Je me suis limité à une tranche des années 80, donc de 81 à 89. Et ce ne sont que des photos de spectacle? Oui, que des photos de concert. J'étais dans le public et j'ai fait ces photos-là à la belle époque où on était... C'était assez facile de pouvoir faire des photos, même si dans le public, je suis pas géant, donc c'est difficile. Mais bon, je me suis débrouillé. Et d'après ce que tu m'as dit, donc ces photos sont faites dans le public, donc de très loin, dans des conditions un peu difficiles. Les photos de concert sont jamais faciles. Il faut quand même un petit peu maîtriser la lumière. À l'époque, on était en argentique, donc c'était haut de la diapo, du négatif noir et blanc. Donc il fallait faire avec et on avait du déchet, comme on peut connaître ça quand on a travaillé en Argentine. Et puis on a des réussites. Voilà, je vous montre ce que j'ai réussi, enfin, ce que j'espère avoir réussi. Il y a quand même toute une époque qui est vue ici ce soir. Ça va durer combien de temps ici? Parce qu'un mois, ça va durer jusqu'au 28 août. Voilà, elles seront visibles dans cet établissement. Et les tirages, justement, qu'est-ce que c'est alors comme... Moi, j'aime bien un petit peu varier sur les supports. Donc, il y a trois sortes de supports. Il y a des supports sur du divan, où la photo est collée sur du divan. Il y a du plexi, comme on peut voir là. Et puis, il y a des toiles, tirage sur toile, qui donne une atmosphère qui est complètement différente, qui est assez chaleureuse, je trouve, et qui peut aussi bien cadrer avec ce genre de photo. Et les formats? Alors les formats varient, ça va du 40-60 au 80x120. Ah, c'est quand même des grands formats. Celui-là, oui, c'est un grand format, oui. Je ne sais pas si je m'aventurerai souvent à ce genre de format, mais je l'ai fait parce que, ma foi, je me disais, il y a une photo comme ça que j'aime bien, de Renault. En plus, elle a une certaine, un attrait, elle me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tiré sur ce format-là. J'aurais pu tirer les autres aussi sur le grand format, mais bon, après on regarde les budgets aussi, comme tout le monde. Voilà. Et ces photos seront à la vente? Alors oui, si quelqu'un veut les acquérir, il peut. C'est des photos que je limite à 15 exemplaires. Donc ce sont les premiers. Donc voilà. Mais bon, d'abord c'est le plaisir des gens avant tout. Donc si les gens peuvent venir simplement pour les regarder et pour voir des choses qu'ils n'ont pas vues, parce que finalement ce qui s'est passé dans les années 80, il y en a très peu. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont venir et qui les connaissaient à cette époque-là, parce que ce sont des gens quand même qui ont pris 30 ans de plus. Oui. Donc ce sont plus des papis maintenant que des musiciens actuels, quoi. Et puis on était en pleine époque du rock'n'roll, c'était les années 80, les années de liberté. On ne connaissait ni les masques, ni les préservatifs. On était découverts à tous les niveaux. Et financièrement aussi. C'est-à-dire, oui, financièrement, je crois qu'on était dans la pleine poésie. Quoi. Oui. Et voilà, il y avait certainement plus de chômeurs que maintenant, il ne faut pas croire, dans les années 80. Mais on vivait ça différemment. Voilà. Et de toutes ces photos, tu ne veux pas en faire un livre? Pour le moment, non. C'est pas non. Personnellement, je suis pas dans cette perspective. Pas du tout. Moi, j'aime bien montrer. J'aime bien que les gens voient. Voilà, et puis après, ça s'en va. Et si les gens en ont un souvenir, ben c'est parfait. J'aime bien le côté, tu sais, rare. On a vu, puis après, il n'y a plus. Ça n'existe plus. Côté document, j'aime bien ça. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire alors en photo maintenant? Est-ce que tu as une idée de sujet ou autre? J'en ai plein. Maintenant, il faut pouvoir les réaliser, mais il y en a beaucoup. Dans toute ma vie, j'ai fait beaucoup de sujets. J'ai fait des sujets sur la fête de la musique. C'est des sujets que moi, j'aime bien faire des sujets sur le long terme. Donc pour moi, un sujet, s'il prend 10, 15, 20 ans, ça ne me gêne pas. Et j'aime bien justement... justement et montrer à la clôture de mon sujet ce que j'ai fait sur le temps. Voilà. J'ai fait un sujet sur la fête de la musique pendant 20 années, par exemple. Alors j'ai pas mal de photos que j'ai fait dans les rues, photos de rue.
c'est un peu quelque chose qui m'avait, un thème qui m'avait tenu. Quoi. Puis c'était un seul jour dans l'année, donc c'est 20 ans sur un seul jour. C'est pas mal aussi. J'aime bien ce genre de thème. Et après j'ai d'autres thèmes sur les étourneaux, j'ai des thèmes sur mon arbre que je photographie. Oui, que je suis. Que déjà je suis. Être connu d'ailleurs. Mm. Je le photographie depuis pratiquement presque 10 ans. Donc, ça aussi, ça fait partie de... J'aime bien les chemins comme ça qu'on parcourt dans notre vie, dans la vie. Il faut s'atteler comme ça à des choses. Les moments courts où on fait quelque chose en une heure, cette accélération, c'est jamais très bon. Il faut s'imprégner pour pouvoir maîtriser un sujet. Sinon, c'est pas bon. Voilà. J'ai fait aussi un sujet sur les femmes. Dans les années 90, j'ai photographié 101 femmes à un âge différent chacun. Année par année, de la naissance à l'âge de 100 ans. Ça aussi, c'était un sujet qui m'a pris 3 ans, presque 4 ans. Il est dans les tiroirs. Ben justement, les tiroirs. Ces photos, est-ce qu'on pourrait les voir? Non. Non. Au moment, non, elles sont dans les tiroirs. Au grand désespoir de ma famille qui commence à trouver que je prends de la place. Comme toute personne qui produit, quoi. Voilà. Comme ça. Comme les étourneaux que j'ai fait, donc les vols d'étourneaux. Voilà, ça fait partie des sujets qui me passionnent. Parce qu'elles me prennent, elles me passionnent parce qu'elles me prennent du temps aussi. Donc, et puis j'utilise aussi j'aime bien détourner aussi des process. Toujours à la prise de vue. Je suis quelqu'un qui n'a pas Photoshop. Donc je suis un dinosaure. Et donc les photos, je les fais à la prise de vue. Pour moi, l'essentiel, 90% du travail est fait à la prise de vue. Voilà. Merci beaucoup. Ah, y a pas de quoi. Bonne journée. Et puis regarde, hein.